puis flèche comme un clodo, 29 février 2024, de leur lit, par le hublot, ils regardent la côte. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. 2024, année bissextile. Juste pour le plaisir de faire un vigliflash, parce que bon, même s'il y a plein d'infos pour l'instant, bah, ça reste des infos sur Jean-Claude Chiquet, cet enculé. Ça te fera une vidéo de plus pour déposer plainte, Jean-Claude Chiquet, quand tu auras acheté un ordinateur et un clavier. Jean-Claude Chiquet, voleur de ma voiture, BMW, série 3, 320 de 1997, série limitée Mora. À ce sujet, donc, puisque voilà, je viens de retrouver la question, genre 12 heures plus tard, qu'un mec me posait sur un live YouTube hier, ou cette nuit, ou je sais plus quand, cette nuit. Pourquoi tu as repeint ta voiture, ma BMW, donc, qui est à la base une série Mora limitée à 50 exemplaires, où à peu près, il y a une espèce de légende très bizarre sur cette série limitée. Bref, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup, et il y en a encore moins aujourd'hui, certainement. Ça se compte en quelques dizaines. Hein. Donc, je parle du monde entier. Donc, à la base, cette voiture, une de ses particularités, c'était une voiture qui était de couleur violine, c'est-à-dire c'est violet métallisé. Donc le gars me demandait pourquoi je l'ai repeinte en blanc. Je ne l'ai pas repeinte en blanc, je l'ai acheté comme ça. C'est-à-dire que le gars, un des proprios précédents de ma voiture, avait, je l'ai déjà expliqué, mais je le dis, avait repeint cette voiture qui, à sa sortie, donc celle-là est sortie en 97, à sa sortie, c'était une voiture qui avait, on va dire, un concept un petit peu bourgeois. Je pense que c'était plus ou moins indiqué pour les femmes. Enfin, c'est une voiture, pour moi, qui a une beauté qui était plus indiquée pour les femmes, quoi, je pense. Bref, peu importe. Elle était les caractéristiques de la... Putain, je suis fatigué. Je me suis levé à 17h. Les caractéristiques de ma voiture, BMW 320 1997, coupé, série limitée Mora, 50 exemplaires numérotés, c'était couleur carrosserie violine uniquement, il n'y avait qu'une seule couleur, et intérieur tout en ton de beige, marron, chocolat, c'est magnifique, j'adore, avec des liserés chromés sur les compteurs notamment, et plusieurs parties en bois précieux, dont le volant. Voilà. Donc c'était un intérieur un peu bourge pour une voiture quand même qui reste une belle sportive, 250 chevaux, 6 cylindres. Un des gars, du coup, je fais une espèce de docu technique sur ma voiture, c'est pas plus mal, hein, parce que le but, c'est pas de se faire casser les couilles par Chiquet, mais de parler de bagnole. Un des gars qu'il avait auparavant, donc, a transformé cette voiture, c'est un peu du gâchis, mais enfin bref, pour faire du drift, quoi. Donc, pour ceux qui connaîtraient pas, moi, le premier, je connais, je prends pas la bagnole pour faire le jackie, mais bref. Il y a des mecs qui font des dérapages, la fumée avec les pneus sur les circuits. Voilà. Donc, il avait transformé une voiture un peu bourgeoise, quoi, en espèce de grosse caisse pour faire le cinglé. Quoi. Pourquoi pas, enfin, c'est un peu du gâchis, surtout pour l'intérieur. Bref, je l'ai récupéré, la bagnole, elle était toute repeinte en blanche, mais moi ça m'allait, parce que j'aime pas du tout la couleur violine, et j'avais vraiment un gros fantasme sur une bagnole toute blanche. Une bagnole comme ça, toute blanche, quoi. Donc je l'ai laissé comme ça, blanche, ça m'allait très bien. C'est pas moi qui l'ai repeinte. Il avait également mis toute une déco motorsport, c'est-à-dire M3, c'est-à-dire ce qui représente le très haut de gamme sportif de BMW, comme, un peu comme Renault Sport et tout ça. Donc tout ça, ça m'allait. L'extérieur, très bien, blanc, avec la robe M3, les jantes alus, les jupes, béquets, spoiler, tout ça. Moi, j'ai tout repeint en blanc, tout en carrosserie. Et l'intérieur, il avait commencé à remettre tout en noir. Enfin, une catastrophe totale esthétique. Donc, j'ai tout remis en beige. J'ai mis des mois à tout récupérer, échanger les pièces, noir contre beige, repeindre les plastiques et tout ça, quoi. Voilà. Ça, c'était pour l'esthétique. Du coup, bah, j'ai plus rien à dire parce que je vais dépasser 5 minutes, c'est déjà trop long. Mais sachez que Jean-Claude Chiquet, je l'ai appelé en live, je fais tout en live, j'enregistre tout. J'ai des tas d'informations qui prouvent plein de choses.
ou qui indique plein de choses. Bon, voilà, donc notamment qui change d'avis tout le temps. On ne sait toujours pas où est la voiture. Elle est peut-être chez lui, mais on ne sait pas. En tout cas, il a reconnu les derniers faits, savoir qu'il était au volant du camion, et il continue à avoir des propos totalement incohérents. Donc j'espère que la justice va s'en occuper le plus vite possible, parce qu'il n'y a pas de discussion possible avec ce mec-là. Ce mec, il a un problème mental. Voilà. Et il n'y a pas de honte, hein, je le dis sans rigoler, quoi. À vous les studios.